Bonjour à tous. Alors continuons sur cet enseignement biblique des derniers jours. Maintenant parlons un peu de la prière. Qu'est-ce que la prière vraiment? Déjà, la prière est la seule façon que Dieu nous laisse pour communiquer avec lui. Est-ce important? Aujourd'hui, on a très peu de chances d'obtenir des choses de la vie, le pardon, le repentir, tout ça, ça se passe par la prière. Dans la vie, les événements font que parfois on est submergé par les événements. On se laisse un peu distraire par le malin. La prière nous permet de nous rapprocher de Dieu. C'est un moyen de se rapprocher de lui et d'être son ami. Pour citer un exemple, quand j'étais jeune, je demandais, mais qui a créé toute chose? Je demandais ça à ma maman. Ma maman me disait, c'est Dieu. Je disais, mais c'est qui Dieu? Elle me dit, bah prie et tu sauras qui est Dieu. Je disais, prier c'est quoi? Elle me disait, c'est parler à Dieu. Je dis, mon cher Père Céleste, Seigneur, peu importe comment tu l'appelles, et tu fais ta prière en commençant par le remercier. Que tu as eu, la vie, la nourriture, le logis, la famille, les amis, tout ce que tu aimes sur cette terre. On aime tous des choses sur cette terre. Et c'est là qu'il faut remercier Dieu. Et elle me disait, ma mère, prie pour les autres, les gens qui ont moins de chance que toi. À l'époque, c'était la collecte du riz en Somalie. On collectait du riz pour la Somalie parce qu'il y avait une énorme famine là-bas. Et les magasins étaient dévalisés de riz. Tous les écoliers avaient ramené un sachet de riz qu'on avait mis dans un gros sac et qui avait été livré vers la Somalie. Alors j'en ai profité pour prier pour les Somaliens, pour qu'ils s'en sortent, pour qu'ils remontent la pente avec le riz qu'on allait leur donner. Et par la suite, j'ai commencé à prier pour moi-même. Demander des choses à Dieu. Ma prière était simple. Je demandais au Père Céleste si c'était possible. Je demandais, c'était pas un ordre que je lui donnais, d'être toujours amour. C'est-à-dire me lever tous les matins, amour. Me coucher tous les soirs, amour. Je ne demandais pas que la personne que j'aime m'aime autant que moi. Non, ça c'était trop demander au Père Céleste. Tout ce que je lui demandais, c'est que mon amour ne soit pas gaspillé, effrité, écrasé, qu'on ne me lance pas un poignard dans le cœur, quoi. Tout ce que je demandais, c'est d'être toujours amoureux d'une personne digne, qui fait que l'amour que je ressens pour lui ne s'éteigne jamais, parce que c'est une personne humble, douce, aimable. Voilà ce que j'ai demandé. C'était ma première prière. Dieu a exaucé cette prière. Pourquoi? Parce que c'était la première. Parce que je l'ai faite correctement. J'ai commencé par le remercier pour tout ce que j'avais. Ma mère, par exemple. J'ai pas eu deux parents, j'ai eu qu'une seule maman. Et donc, j'ai remercié le père d'avoir au moins une maman. Sinon, c'est la DAS, il n'y a pas de parents, quoi. J'ai remercié le père d'avoir une famille, des amis, de la nourriture tous les jours. J'ai remercié le père de beaucoup de choses. J'étais jeune à l'époque. Je devais avoir à peu près 5 ans et demi, 6 ans, un truc comme ça. Et c'était ma première prière, et elle s'est réalisée. Et donc, les prières aujourd'hui, quand vous souhaitez que votre prière soit réalisée, comment vous faites? Vous vous mettez à genoux, vous suppliez le Père de vous aider. Il le fera. Si vous avez su le remercier de tout ce qu'il vous a accordé, si vous avez su prier pour les autres et pas que pour vous, si vous avez su vous mettre à genoux et vous humilier devant lui et annoncer cette prière au nom de Jésus-Christ,
il n'y a aucune raison pour que cette prière ne marche pas. Et ce témoignage, je vous le laisse au nom de Jésus-Christ. Amen.